C'est Vinny qui vient cueillir. Il remet devant lui pour Nadeau. Belle réception. Nadeau remet vers le centre. C'était tenté pour Julien. Il y a un surnom qui s'annonçait en faveur des Tigres, mais ça a raté. Là, il y a une bonne mise en échec sur Alexandre Nadeau. Minute à faire à la première période. 0-0 la marque. Perron, une belle feinte devant Prichepov. Perron couvre entre les deux défenseurs. Son tir, voilà le but. Toute une poussée de Émile Perron qui marque le premier but du match. Les Eagles font 1-0. C'est son premier but et même premier point en carrière à Émile Perron dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est le choix de première ronde au dernier repêchage pour les Eagles, le 8e au total. Ben, il récolte son premier point et son premier but est tout un à part de ça. Sur une belle entrée, il a battu Nicolas. Laisse à La Rochelle. La Rochelle derrière le but, c'est intercepté par Frenette devant le filet. Et voilà le but! Loïc Daigle! Et les Tigres, l'égalité, c'est 1-1. Gros début de période et on a cafouillé chez les Eagles en fond de territoire. J'en parlais en première période. Cette équipe-là a loué beaucoup de buts cette saison. C'est certain là, qu'on a à des moments là, cafouillé en zone défensive. On doit mettre de la pression. C'est un peu ce que les Tigres ont fait. Et ça a permis à Loïc Daigle de se retrouver seul devant le gardien de La Fontaine qui est le pas du côté de la mitaine. Sur le troisième tir, au but seulement des Tigres, rapidement deuxième, il crée l'égalité 1-1. Voilà Nadeau en entrée de territoire. Nadeau s'avance sur son revers. Belle remise pour Michaud. Sorti, arrête de gardien. Et au retour de La Fontaine qui vient voler Gorionov qui est installé sur sa gauche. Un retour de lancer directement dans la mitaine. Oh, belle arrête de La Fontaine sur la dernière séquence. Les Tigres qui exploitent un peu plus là, les défenseurs dans les, depuis le début de la deuxième période également, qui viennent appuyer l'attaque. 7-0-2 à faire à la deuxième période. 1-1 la marque. En fait, on s'offre plus en ligne de tir du côté des défenseurs. On s'offre en option de passe. Plutôt, on dirige et lancé. On a 10 lancés pour les Tigres. Une pénalité, mais là, on est déjà au quatrième avantage numérique. Attention, Rodin qui perd votre annonce. Devant le gardien, sorti. Et voilà le but! Les Tigres qui prennent les devants, puis marquent un avantage numérique. Joey Vetrano, son premier but dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Oui, ça, ça va faire du bien. Hein? On en parlait durant l'entraque, Pascal, entre autres. L'attaque était peu diversifiée depuis le début de la saison de la part des Tigres. Et là, Vetrano, qui avait quand même des minutes de qualité en avantage numérique, finit par en profiter. Il a déculotté le gardien de La Fontaine. C'est pour les Tigres. McDonald dans l'enclave. Bon tir du revers de La Rochelle. Il rate la cible. Et c'est Coulombe qui en est frappé. En pilade de près de la rampe à la droite du gardien. Gartier au point. Le sort avec la rondelle. Ramène de l'autre côté. Tire. Voilà le but. L'endroit qui marque. Et c'est 2-2. On n'a pas été capable de sortir la rondelle du territoire. Et là, par la suite, on a raté des couvertures en défensive, notamment sur Langlois, qui, lui, était le défenseur qui s'amenait du côté opposé en maraude. On lui a refilé la rondelle. Il tire sur réception et vient battre Nicolas Hurtubise sur leur 30e tir au but. Les Eagles qui créent l'égalité. 2-2. On a totalement droit. Ivan laisse la rondelle. Ah, Langlois, Langlois qui perd à Coulombe. Coulombe va s'échapper, complètement seul. Langlois s'amène rapidement. Coulombe, sortir, arrête gardien, on l'a accroché. On a accroché Coulombe. Cormier prend la rondelle, s'avance tranquillement face au gardien, un peu sur la droite du gardien. Cormier se place face, sortir, et voilà le but. Tommy Cormier, partie supérieure. Il est très, très, très bon en fusillade. Il a logé la rondelle, là, partie supérieure. As-tu vu la vitesse avec laquelle le tir est parti? Et les Tigres prenaient devant 1-0. Là. Dans La Fontaine, c'est compromis un peu. Là. Regarde, lorsqu'il a baissé les bras, il était déjoué. Et Cormier qui marque. Le coup de sifflet qui est donné. Stairs prend quelques élans. En prend large à la droite du gardien. Stairs s'amène face. Hurtubise tire du revers et voilà le but. Une belle fin pour déjouer Hurtubise. Et c'est 1-1 après le premier tour. Et là, on va faire confiance à Olivier Coulombe du côté des Tigres. Olivier Coulombe s'installe. Assassiné à les données. Coulombe s'élance. Va aussi à la droite du gardien. Un peu plus large. Face au gardien maintenant. Coulombe son tir et voilà le but. Olivier Coulombe. 2-2 pour les Tigres. Entre les jambières de Coulombe. Ivan, il est dangereux. Il n'a pas marqué dans ce match. On marque des buts en fusillade chez les Tigres. Il a le signal. La Rochelle prend la rondelle. Il va du côté droit lui aussi. La Rochelle fait sortir, sortir. Voilà le but.
Et c'est l'égalité. 2-2. Et ça se poursuit. Alors, on envoie Loïc Ritard pour Brichepov. Le 88 des Tigres prend la rondelle. Ça mène face au gardien. Brichepov, une feinte, tire du rebond. Oh. Et voilà le but. Quelle feinte! Brichepov! Et les Tigres prennent les devants. Et la pression repose maintenant sur les Eagles. C'est Connor Trenholm qui s'amène. Donc ça, c'était tout un but de Nikita Plechkov. Voilà la signale qui est donnée. Trenholm part très loin de son territoire. Saisit la rondelle au centre à la ligne bleue maintenant. Entre les deux cercles. Trenholm, plusieurs fins. Son tir et voilà le but. Ça se poursuit. Là, ça va se compliquer pour les entraîneurs, là. Ryan Bell. Ryan Bell, profondément dans sa zone. Saisit la rondelle au centre. La met à plat sur la patinoire. Et les faceurs subissent. Une feinte, une deuxième. Bell, son tir et voilà le but. Et les Eagles l'emportent par la marque de 3-2. Et ils vont infliger un premier revers en fusillade cette saison aux Tigres qui malheureusement perdent également après avoir pris les devants 2-1 dans ce match. Et c'est une première victoire pour les Eagles lorsqu'ils tirent de l'arrière, eux, après deux périodes de jeu. Ah oui, tu parlais de tes bonnes nouvelles après 40 minutes de jeu. C'était pas si bon. Il y en a une qui a viré en mauvaise nouvelle.